2, longueur d'onde 274 mètres. Chers auditeurs, nous allons interrompre notre émission pendant quelques instants pour retransmettre Émis de Vichy. Radio Journal de France et l'élite. Bonjour, information matinale. Marseille, jeudi 12 août 1937. Découverte d'une niche d'espions fascistes au service du général Franco. Ces militants des organisations de la droite française sont au service des agents franquistes. À l'heure actuelle, 4 arrestations sont opérées. La police mène une enquête sur les ramifications de ce vaste complot au profit du général espagnol rebelle. Parmi les personnes impliquées, il y a des anciens ministres monarchistes espagnols, des nobles, des hommes de main et des croix de feu. Les détenus sont des employés de la poste centrale Colbert, qui travaillaient pour les espions Henri Mayer de Montrichet, militant des Camelots du Roi, et José María Lassosa d'Illa, soi-disant avocat de Barcelone. Ils sont accusés de vol et suppression de correspondance, violation du secret professionnel, corruption des fonctionnaires et complicité. Est-ce que vous connaissez les mariniers de France Navigation, l'existence ici des espions de Franco à Marseille? Alors là, je te dirais, nul. Nous, on croyait qu'il y avait que nous, tu vois. On ne pensait pas qu'il y avait des espions. Je te donne en mille, on ne pensait pas qu'il y avait des espions. De toute façon, moi, je te dirais franchement, on a foutu à la mer un tas de types. C'était soi-disant des espions, enfin, ils étaient contre nous, on ne savait pas, on les foutait à la mer.